d'un week-end, différents acteurs de la société, des représentants du pouvoir public, des représentants religieux, des universitaires, des journalistes, des étudiants, des acteurs associatifs, tous pour parler ensemble de vivre ensemble, pour parler des villes, d'échanger des expériences, écouter des témoignages des différents pays, différentes villes, martyrs, dans lesquelles il y a aujourd'hui d'excellentes initiatives, des hommes, des femmes, surtout des jeunes. Vous allez entendre leurs témoignages qui œuvrent pour que ces villes, martyrisées un jour par des guerres ou des conflits, deviennent des villes de paix. C'est aussi célèbre pour sa basilique cathédrale et c'est aussi connu pour son grand stade qui a connu beaucoup de finales. Donc c'est dans ce cadre historique, mais aussi sportif, qu'évoluent les étudiants de l'Institut. Alors l'Institut propose des formations qui vont de la licence au doctorat, en passant par... ils peuvent aussi faire des interchanges qui sont le Coran, c'est-à-dire sa mémorisation et son étude, la langue arabe et la théologie. Donc pour ma part, je suis étudiante en théologie et ça m'a permis d'élargir ma vision des choses. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus ouverte d'esprit maintenant. Je me sens aussi plus apaisée. Quand on est en paix avec soi-même, on commence à pouvoir échanger avec la société. Aujourd'hui, je considère ma communauté spirituelle mais aussi le monde dans lequel j'évolue. Dans son intégrer ça, c'est pour ça que j'ai pu participer avec mon école à la semaine d'amitié islamo-chrétienne en partenariat avec l'Institut catholique de Paris où on a ouvert nos portes pour pouvoir dialoguer de la formation des prêtres et des imams. Aujourd'hui, je prends conscience de l'importance du dialogue. Je sais que c'est important de parler de ma foi, d'expliquer pourquoi c'est important pour moi, mais aussi de comprendre la foi de l'autre. Et dans ce verset, en fait, il y a à la fois le fait de confirmer l'unité des hommes, unité qui est renforcée par deux aspects importants. Tout d'abord, le Créateur est unique, c'est Dieu le Créateur. Et deuxièmement, l'origine humaine, Dieu par sa volonté a fait que tous les hommes soient d'une même et seule origine.
Et ça, c'est quelque chose qui établit cette égalité absolue entre les hommes, au-delà de toutes les différences qui existent. Et que chacun de nous, humain, là aussi c'est un hadith, un prophète du parole, une parole de prophète, où il dit que l'enfant, avant qu'il naisse, au quatrième mois de grossesse, Dieu va envoyer l'ange qui va souffler l'âme. Et ça, c'est une, si vous voulez, condition de vie pour chaque être humain. Et pour ça qu'on dit toujours que chaque personne, au-delà de toutes les différences qui existent entre les hommes, c'est quelqu'un qui porte le souffle divin.